Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... il y a plein de portes de... Surgeon Simulator 2. Hop. Faisons les choses bien. Hop les... Crac. Ça manquerait pas un petit peu de... Ah. De jus. De jus d'homme. Ouh, du jus d'homme. Hop là, je l'ai. Ça compte, ça compte. Hop là. Hop 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 hop. Pénètre. Si tu veux. Bon bah apparemment ça marche donc why not? We're in the oldest parts of labs now. The creaking bowels of this place. Nima was running her own research project down here. Kept very tight-lipped about it. I don't understand. Mm-hmm. It looks abandoned. Mais non. Where's she gone? And more importantly, why is she gone? C'est pas que c'est abandonné, c'est que... C'est un tantinet oublié. Ceci ressemble vaguement à un piège. Je veux pas dire, hein, mais... Come on, Mima. Could have run Mima around the place before you left. Mima. Il en faut trois. Ok. Jusque là. Que des choses sympathiques dans ce coin. Une scie. Ce qui manque, c'est juste le... Bon. Vous savez quoi? On va le faire. Hey, I found some of Nima's old tapes stash in the vents. Oh, you gotta hear this. I'll play them over the PA. Question, je peux mourir? Non. Oh, parfait. On remonte. Regular exercise and entertainment seems to reinvigorate their neural pathways. Bringing them into the air at great speed has improved their cognitive function. No way. Ooh, c'est ouvert. What the hell is Nima up to? She's as bad as the others. Sait-on jamais, hein? Ok. Here's another tape. I fear for the safety of this project. If Pam had her way, they'd be fed back into the brew. I need to move them elsewhere and continue my research. They're not just walking body parts. They can be taught to think and act for themselves. Tombe. Labs was meant to change the world. But not like this. Viens par là. Blablabla. Ah ah. Ok, ça m'a libéré ici. Là, c'est clos. Bon, allons voir. Salut Bob. Je vois que c'est pas la forme. Ah, il faut tout changer. Ok. Bon bah écoute, deux bras, deux jambes. Pas par là. On va aller voir là-haut, même si je pense avoir fait... Alors ah oui d'accord, les deux bras ils sont là-bas. Alors ce sont des bras droits. Ah. Ah! C'est bon. Dégage. Merci. Je suis obligé d'aller dessus. Si le jeu veut bien m'y laisser. Ok.
Donc celui-là va de ce côté. Par contre, 3 fusibles, j'en ai un. Ah, je vais quand même vérifier si j'ai rien à faire là-haut encore. Excusez-moi, est-ce que tu pourrais rentrer, s'il te plaît? Parfait. C'est un coup à se couper une main, hein. Les musiques bug à mort. Oh. Vous auriez pas mis un fusible dans le coin, bande de petits enfoirés. Tiens. Putain, il y avait le panneau fusible, je me suis fait eu. Ah bah. I got you, babe. Il en faut 3, j'en ai 2. Pénètre, pénètre, c'est bien. J'en ai que 2. Et lui, je sais pas comment il marche. Que ça monte jusque là, mais... C'est comme s'il manquait une pièce ici, vous voyez ? Ou alors ça vient d'au-dessus ? Peut-être louper un fusible quelque part. Hein. J'en ai un là que j'ai récupéré. Un autre que j'ai là-dedans, là-bas. Peut-être que j'en ai un ici. Attendez, est-ce que ça s'enlève ou... Non. C'est pas flippant cette musique, hein. Pas du tout. Attendez. Bah non. Bon bah essayons là-haut, hein. Peut-être louper quelque chose, hein, ça arrive. Genre derrière cette machine, non? Ah merde! Il y a un bâtiment là-haut. Enfin, une pièce. Pourtant... Nope. Nope, 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 hein. Mais c'est pas des boutons, ça? Non, j'arrive pas à les prendre. Parce que dans ce cas-là, ça résout pas comment ça, ça marche. Ou comment ça ne marche pas. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Et dans tous les cas, il m'en manque un en fait. Même si je m'étais...
Je sais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi rien n'est jamais simple? Ah. Ah oui. Je comprends pas cet endroit. Donc c'est en rapport avec la trappe qui marche pas. Merde. Je crois que ça va être compliqué. Je sais qu'il y a une deuxième boîte juste à côté, hein. Me servir de mes doigts est si compliqué. Peut-être que si je le rapproche... On sait tous les deux ce qui va se passer quand je vais appuyer sur ce bouton. Adieu, je t'aime. C'est une plateforme depuis le début. Attendez. T'es redescendu au moins? Oh fuck. Oh fuck. Donc ça, depuis le début, c'est une sortie. T'as pas me faire croire que la trappe ne fonctionne pas parce que j'ai un putain de... Ah. Oh non! Oh non, je viens de comprendre! Mais non! C'est un capteur! C'est un motherfucking capteur! Depuis le début!
Je croyais que c'était pour avoir un bras, mais non. C'est un putain de capteur. Ok, j'ai un bras. J'ai deux bras, il me faut deux jambes. J'ai pas vu les jambes. Bon, de toute façon, maintenant, ça fonctionne. C'est normal que je n'ai pas vu les jambes parce que je suis pas encore allé ici. C'est peint les murs au-dessus. Juste pour le fun. Hein. Juste pour le plaisir de pouvoir peut-être trouver un bras là-dedans. Pam! Moi j'ai envie de descendre à l'étage en dessous, mais écoutez. Canard? Un œuf? Un œuf d'autruche? Non? Oui? Il me faut un marteau. Il me faut un marteau pour péter un œuf d'autruche. Ou une hache. Ou une scie. Oh, des jambes. Marche pas, hein. Non! Hop, allez. Allez, bah, je peux plus le prendre. Bah. C'est vexant. Ah, ça y est. Ça aurait pu être une idée aussi. Ah, ceci explique cela! Bon bah, allez. Ça c'est le pied qui va là. Et ça apparemment c'est le pied qui va là. Mais ça on s'en fout un petit peu, hein. Enfin le pied, la jambe, hein. On soit bien d'accord, hein, y a tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai cru voir une hache pas si loin. Bon, c'est des scies. Bon bah. Direction la scie. La scie. Ah, un la scie. Pardon. Qu'est-ce que je fais? Je découpe tout d'un coup et. Je préférerais avoir une hache. Je peux pas avoir une hache. Ça a été plus rapide à la hache la dernière fois. À l'école. Bon. C'est difficile de pouvoir mieux coller, hein. Ose me dire que c'est pas le bon. C'est le bon. Très bien. On va faire tout un côté d'abord. Ça y est. Alors si je te coupe l'entrejambe, tu me préviens. Non mais... Si je vais trop loin, il va scier l'autre jambe en fait. Ça va le faire, Bob. Hop là.
Tu perds beaucoup de sang, Bob, si je puis me permettre. Bob, tu vas t'en sortir, Bob. Je vais te piquer un petit peu, puis... Il y a vraiment que là que ça marche, hein. J'ai pas l'impression que ce soit ultra efficace. Il me faut la jaune. On avait porté une par là, une jaune, non? Ah! I knew it. J'arrive, Bob. Ah bah il y en avait une juste à côté sinon. Ah, pardon, Bob. Faut que ça pénètre, Bob, je suis désolé. C'est bon, tout va bien. Je le savais depuis le début. De toute façon, cette opération, cette mission n'a commencé qu'il y a quelques minutes. Ne pas couper la mauvaise jambe. Rapproche le bras, Marcus. Heureusement que couper avec un... Heureusement que couper avec un outil, c'est moins dangereux. Je veux pas dire. Elle a l'air relativement vide. Ouais, hein. Bob, ça va le faire. Attends, je te pique. C'est bon. Bob, je vais... Excuse-moi, je sais que ça chatouille, Bob. Est-ce que tu veux bien me donner tes pieds, Bob? Merci. Bob? Bob, je te l'arrache la jambe s'il faut. Voilà. Je t'avais prévenu. Petit con. Je voulais juste écarter ses jambes pour avoir un angle pour couper, mais... Mais j'ai pas eu le choix. Très bien. Bah cet épisode aura duré 47 minutes de tournage parce que je l'aurais pas trouvé, les amis. Tout simplement. Donc merci de l'avoir aidé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Normalement j'espère que je l'aurai coupé. Salut et yop, pouce vérisé, likez, tout ça, partagez, abonnez-vous, vous connaissez le principe. Bisous.